Voilà. Salut les gars, c'est le Baraka RC. Donc voilà, deuxième partie là, de projet là, pour le camion. Donc qu'est-ce qu'on va faire là? Ben, en un mot là, on va placer les roues arrière là. Donc voilà. Puis aussi on va réajuster là. Ici on va juste refaire une coupe. Puis voilà. Bon allez, on y va. Voilà, peut-être que je vous laisserai avec un petit timelapse. Voilà, je mets la lumière. Voilà. Et puis. Bon, je verrai bien si je mets un petit peu d'accessoires ou quoi. J'en sais rien. Donc, voilà. Dites-moi après en commentaire si vous voulez que je mette un petit peu d'accessoires sur la plateforme là. Ou alors simplement laisser avec les roues comme ça. Donc, voilà. Allez, à toutes! Voilà, donc j'ai juste monté les roues là.
boulot pour vous montrer un petit peu comment ça se fait. Par contre, j'ai vu un truc. Bon, là, parce que là c'est vrai que c'est la première fois que je bosse l'ABS. C'est que là, ici, je sais pas si vous le voyez. La planche, là, ici. Comme vous le voyez. Je sais pas après si vous le verrez en vrai. Elle est pas droite. Donc voilà. Elle courbe légèrement vers le haut. Donc là, c'est pour ça que je l'avais pas. J'ai pas fait les garde-boue. Comme ça sur les côtés. Comme sur les côtés avant. Comme ça au moins, je me disais que si je me plante un petit peu, comme là sur cette courbe-là, au moins je pourrais récupérer avec ça. Puis bon. Au final, mais ça pourrait peut-être pas être si mal comme ça, une petite courbe comme ça. Donc voilà. Hop. Donc voilà, après je vais redémonter là. Et ici toute la plateforme arrière. Ici je vais juste refaire la découpe là. Et puis voilà, bah ça sera bon. Allez, à toutes.
Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, j'avais refait une découpe là. Là ici, j'ai laissé un petit peu de marge, comme ça au moins je vais pouvoir tranquillement limer et tout hors caméra, puisque bon, c'est un petit peu long. Je vais pouvoir limer et tout, pouvoir fignoler les découpes. Voilà, et puis après, là-dessus, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, je vais faire les pare-boue. Hein, après ça, bon, je vais remonter la cabine et tout là-dessus. Au moins pour prendre les mesures pour les pare-boue. Et puis après, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Après, une fois qu'il y aura de la découpe faite sur les pare-boue, une fois que c'est bien ajusté. Après, il n'y aura plus qu'à repeindre tout ça. Voilà, et puis pareil aussi. Enfin bon, il y aura sûrement tout plein de choses, de détails. Refaire les points de rouille, faire. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il y aura prévu de faire? Ouais, si, les réservoirs et tout. Refaire aussi là, pour les amortisseurs. Notamment à l'avant, et puis changer les LED aussi à l'avant du camion. Donc voilà, parce que il y a les prises oxydées, donc ou ça, je change les prises. Donc voilà, à voir si ce que j'aurai. Allez, ciao. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire, etc. Et bref, vous connaissez tout le monde de YouTube. Donc, voilà. Et puis, sinon, je peux vous faire également là, les révisions. Donc, voilà, vous avez mes liens sur la description. Et puis, voilà. Allez, ciao.